Bonjour, je m'appelle Georges Brito, je suis le chargé d'affaires commerciales, tourisme et investissement de l'ambassade de la République dominicaine. Nous sommes là pour présenter une colloque sur la République dominicaine en gros et surtout pour faire connaître l'enlèvement de requis de visa pour les Marocains qui visitent à la République dominicaine et les Dominicaines qui viennent visiter le Maroc. C'est une opportunité d'approchement de notre deux pays qui ont énormément de choses en commun, la chaleur humaine, la partie beauté des espaces et climat, le tourisme et surtout la gastronomie aussi. Pendant ce temps, je suis là depuis le mois de février, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal des entrepreneurs et des gens intéressés à travailler avec nous pour promouvoir la République dominicaine et des événements qu'on va bientôt faire ensemble. Et on vous a invité ici pour faire une première pas dans toutes ces démarches. La bibliothèque Hugo Tolentino Dip, où on va faire la présentation, c'est la première bibliothèque en Afrique de la République dominicaine qui contient une gamme de livres culturels, historiques, et économiques et politiques. Et bientôt, il y aura un accès dématérialisé à la Bibliothèque nationale en République dominicaine où les personnes pourront accéder pour voir une gamme encore plus large de celle qu'on a ici physiquement. Le message principal, c'est que les portes sont ouvertes, qu'on a un pays paradisiaque qui vous invite et qu'on vous attend avec les bras ouverts de fraternité et qu'on peut faire des belles choses ensemble en matière touristique et aussi de business. Dans la présentation, on vous verra qu'il y a déjà tout le cadre juridique des traités mis en place, c'est que l'exécution qui manque. On a des traités des douaniers, maritimes, des aéroports, protection d'investissement, protection du commerce et... À la fin, on va parler de ce qu'on a en tête de créer des tables de rond d'investisseurs ici au Maroc et en République dominicaine. Et aussi, on va parler de l'association dominico-marocain et sa institution sœur qui va se constituer bientôt en République dominicaine.